Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint consacré à la musique arménienne. Musique arménienne que vous avez pu découvrir du 27 février au 4 mars au Conservatoire de Nice. Musique arménienne défendue, dirigée, interrogée par mon invité d'aujourd'hui que j'ai un immense plaisir à recevoir à ce micro, Alexandre Cyranossian. Bonjour Monsieur Cyranossian. Bonjour. Vous êtes né à Lyon, vous avez fait des études musicales au Conservatoire National de Lyon et de Genève. Vous avez dirigé l'École Nationale de Musique et de Danse du Pays de Romans que vous avez porté au niveau d'excellence. Vous êtes directeur artistique de la Fondation Stéphane Elmas et de l'Orchestre des Pays de Drôme. Responsable musical, pianiste, chef d'orchestre, vous avez eu à cœur de faire des recherches et de sortir de l'oubli des compositeurs méconnus comme Busseuil, Elmas, Mansourian, Aladjian, Junillon, Mikouli, Mezou. Et surtout, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la musique arménienne que vous défendez et faites découvrir par des concerts, des disques, des publications, dont les Métamorphoses de Tigrane, l'épopée arménienne dans le théâtre classique et l'art lyrique, deux volumes parus en 2014 chez Aubin Print. Vous œuvrez aux échanges culturels franco-arméniens. Mais avant que de vous entendre sur ce sujet passionnant, voici votre premier choix musical, extrait de votre CD Miniature arménienne. Vous dirigez l'orchestre de chambre. Serenata. Alexandre Cyranossian, parlez-nous de ces magnifiques miniatures musicales arméniennes et de cette merveille que nous venons d'entendre, qui s'appelle, alors je le prononcerai certainement très très mal, Chinares. Oui, Chinares, c'est un chant d'amour, tu me plais. Chinares, tu me plais, voilà. En fait, c'est un thème recueilli par le révérend Père Comitas
au cours de ses recherches, quand il allait dans les villages et il assistait aux fêtes ou il écoutait, ce chant a été repris. Alors, ça, c'est pas de Comitas, c'est le thème qui a été annoté par Comitas et il en a fait des arrangements pour chœur, il en a fait des arrangements pour chant et piano, avec des accompagnements très, comment dire, très discrets, où il n'a pas utilisé le piano comme un instrument polyphonique, mais comme un instrument qui permet un environnement sonore. Alors, ce que nous avons entendu a été écrit par un violoncelliste qui s'appelait Sergueï Aslamazian, qui était membre du Quatuor Comitas, un quatuor qui a été formé en 1924 et qui, dès ce moment-là, a pris le nom de Comitas, donc 1924 à Moscou. Alors, quand ce quatuor s'est formé, évidemment, si on voulait parler de musique arménienne, il n'y avait rien pour quatuor. Et donc, il a fait des arrangements. Et ces arrangements, donc il y en a 17, sont devenus tellement célèbres que en Arménie, dans ce qui était autrefois l'Arménie soviétique, il n'y a le Quatuor Comitas et en Arménie, c'était la réserve, la chasse gardée du Quatuor Comitas. Donc, les orchestres ne jouaient pas ça. Ils considéraient que c'était le répertoire du Quatuor Comitas. Et moi, quand j'étais en Arménie, j'ai entendu cette pièce chantée et jouée en quatuor. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'on ne joue pas en orchestre. Alors, quand je suis rentré en France, j'ai trouvé la partition, le conducteur. La première édition est en 1950, vous voyez, c'est pas... Et je suis rentré, et puis avec mon orchestre. Donc, évidemment, moi, j'étais directeur du conservatoire d'une petite école nationale. Romans, c'est une petite ville. On avait 600 élèves, mais j'avais un orchestre parce que j'ai fait des études de chef d'orchestre. J'ai travaillé avec Igor Markevitch, avec Pierre Boulez, même j'avais suivi un stage avec lui. Donc, je poussais à ce que le conservatoire fasse de la musique. Et avec son directeur à la tête, on avait un orchestre. Et cet orchestre donnait des concerts. Et j'ai dit, mais ça, il faut le jouer avec mon orchestre de chambre. Et on a commencé à le jouer, et là j'étais surpris de voir combien les musiciens se sont attachés. D'ailleurs, ils sont toujours attachés à cette musique. Et le terme de miniature donné par... c'est moi qui l'ai donné. En réalité, dans la publication, c'est « Chant et danse populaire d'Arménie », point final. Donc, miniature arménienne, c'est moi qui l'ai donné. Alors, le disque, on l'a fait dans des conditions incroyables. D'abord, j'ai fait un premier enregistrement à l'époque soviétique, mais on m'a donné l'autorisation d'enregistrer avec orchestre, mais on ne m'a pas donné l'autorisation de publier le disque. C'est très bien. Avec l'Union soviétique, c'était un peu compliqué. Après, quand il y a eu l'indépendance, il y avait un orchestre qui s'appelait Serenata, et dans les périodes les plus difficiles, il y avait un blocus, pas d'électricité, pas de gaz... J'ai fait venir un orchestre de jeunes, d'étudiants du conservatoire, et pendant 4 mois, je les ai gardés dans la Drôme, à Romans, avec l'appui des autorités, bien sûr, et on a donné 50 de concerts. Donc, on a préparé un disque, et j'ai enregistré ces miniatures. Ce qui était intéressant, c'est que les musiciens, donc tous les musiciens, rechignaient à jouer ça, parce qu'ils disaient, ça c'est le répertoire de Quatuor. Eh bien, quand ils ont commencé à jouer ça, mes musiciens, on a eu tellement de succès auprès du public, on est passé dans des émissions, à l'époque c'était TF1, dans les émissions religieuses arméniennes, on est passé, et avec cet orchestre, on est allé partout. Donc, voilà, ce que vous avez entendu, c'est un enregistrement qui a été fait en 1995. En tout cas, c'est une musique absolument splendide et on va maintenant écouter votre deuxième choix musical, des pièces sacrées pour chœur, chantées par le Yerevan Chamber Choir d'Arménie. «
Alexandre Cyranossian, votre deuxième extrait faisait entendre de magnifiques pièces pour chœur du prêtre musicologue Sogomon Gevorgi Sogomanian en religion Komitas, chantre, docteur en théologie, ethnomusicologue. Il a collecté plus de 3000 chants de la tradition populaire arménienne et les a ainsi sauvés de l'oubli et d'une perte irréparable. Parlez-nous de cet homme de génie, arrêté, déporté, battu, au point d'en perdre la raison lors du génocide arménien de 1915. Oui. C'est curieux quand on entend cette musique, on se dit, mais c'est de la musique occidentale. Il ne faut pas oublier que le peuple arménien a été le premier État, l'État arménien, le premier État chrétien de l'histoire. 301. Donc, c'est important à rappeler. Et ensuite, les invasions sont venues. Dans tout le Moyen-Orient, les peuples qui étaient chrétiens, comme la Syrie, ils ont changé de religion, ils ont pris la religion des nouveaux venus. Les Arméniens ont résisté. Ils ont résisté, mais ils ont payé le prix fort. C'est-à-dire que c'est pourquoi il y a très peu d'Arméniens qui survivent vraiment dans le pays. Or, Komitas, il est né dans la ville de Kütahya, dans l'Empire ottoman. À ce moment-là, les chrétiens avaient le droit de pratiquer leur culte. C'était les minorités, c'est-à-dire que les gens qui avaient toujours été dans le pays, les autochtones, étaient devenus une minorité, mais ils avaient le droit de pratiquer leur religion. Donc, ils avaient le droit de chanter en arménien.
Mais ils n'avaient pas le droit de parler la langue, dans certaines régions, pas partout. Et Komitas Kutaya perd ses parents, et comme il avait une belle voix, le prêtre, qui devait aller dans, la, dans ce qui est la Rome arménienne à Ashmiadzin, l'amène avec lui pour devenir séminariste. Et là, il est reçu avec Komitas, enfin, c'est le petit Soromonian. Il est reçu par le Catholicos, et le Catholicos demande qu'est-ce qu'il sait faire, cet enfant. Est-ce qu'il parle arménien? Alors non, il ne sait pas. C'est pas l'arménien, il parle que turc. Alors là, le catholicos s'est choqué. On m'amène un enfant qui parle que turc, et on va en faire un prêtre arménien. C'était pas la faute de l'enfant. Alors il demande, qu'est-ce que tu sais faire? Et l'enfant, en traduit, il répond, je sais chanter. Et là, Komitas chante, et il chante en arménien des extraits de la messe. Et là, le catholicos, très ému, vraiment très très ému, fond en larmes, et il comprend, et il prend le petit en affection. Donc Komitas rentre au séminaire pour devenir prêtre. Il y avait bien sûr, l'église arménienne, si vous allez à la messe, c'est 3 heures de chant, c'est un opéra. 3 heures. Donc il faut vraiment que les gens chantent, il faut qu'ils acquièrent la tradition, la connaissance de tous les chants traditionnels, tout ce qui fait la messe pendant 3 heures, mais en plus, tous les chants spéciaux pour les enterrements, pour les baptêmes, enfin c'est une tradition musicale considérable qui jusqu'alors est transmise oralement ou bien par des neumes ou bien par un système musical qui a été inventé plus tard, qui avait été inventé en 1812 par un musicien. Et qui a permis de sauvegarder cette musique, les linotés, mais pas en notation occidentale. Alors, il fait ses études, il grandit, et il s'intéresse, parce qu'il a eu comme professeur un certain musicien arménien qui s'appelait Karamurza, qui lui avait commencé à noter le chant, pour chant choral, des chants comme Hoynazan ou autres. Il s'appelait Karamurza, qui a enseigné une année. Et là, Karamurza a donné à Komitas le goût du chant choral et le goût du chant populaire. Alors Komitas se prend de passion pour ça et il commence à aller chercher des chants. C'était la mode. Au 19e siècle, dans tout l'Empire russe, les compositeurs, même Rimsky-Korsakov, Borodine, tout ça, quand ils allaient quelque part, ils essayaient de ramasser des mélodies. En France, on sait ce que Vincent d'Indy faisait dans son Ardèche familiale. Donc, on a... Komitas va noter les chants et là, on va se trouver... Il ne faut pas oublier que... L'Arménie, c'est le pays de l'Arche de Noé. Partout où vous êtes, en tous les cas dans l'Arménie actuelle, vous voyez l'Ararat. C'est le pays de la vigne. Jusqu'à présent, on sait, on a retrouvé récemment une cuve à vin qui date de 6000 ans. Donc c'est un pays... En fait, avec le recul, je me dis, mais Komitas, il est allé dans des endroits... qui n'avait pas été vraiment... ils ne connaissaient pas la musique occidentale, ils ne connaissaient pas la musique... Ils n'avaient pas connu la musique des gens venus de l'extérieur. Et durant les fêtes, ils reprenaient, depuis des siècles, peut-être plus de millénaires, les musiques qui n'étaient pas notées, mais qui étaient traduites, qui étaient transcrites oralement. Et ils notent tout ça. Et il a noté 3000 chants. Pendant que vous parlez, on entend justement un de ces chants de Komitas. Je vous propose de passer tout de suite à votre quatrième extrait, Musique sacrée d'Arménie, justement. Oui. Là, on va l'écouter rapidement et puis ensuite nous en parlerons. Thank you.
Alexandre Cyranossian, la force de la culture arménienne, c'est de transmettre, de ne pas souffrir des limites du temps. Et vous y êtes pour beaucoup d'ailleurs, vous transmettez comme Comitas l'a fait. Ce qui me touche beaucoup dans cette musique, dont vous nous avez si bien parlé, c'est qu'elle vient du fond des âges et qu'elle perdure vivante comme jamais, portant des fruits modernes, comme ceux offerts par Tigrane Hamasyan sur le disque paru chez Harmonia Mundi en 2004, sur lequel nous allons nous quitter. Parlez-nous de ce jeune homme, et parlez-nous de ce jeune homme extraordinaire qui arrive à transmettre alors à travers le piano, le jazz, enfin une espèce de musique métisse, cette culture arménienne. Après Comitas, il y a eu toute une génération de compositeurs, dont bien sûr le plus illustre est Aram Khatchaturian. Et puis, quand nous arrivons donc en ce 21e siècle, il faudrait dire qu'avant, il y a eu le tremblement de terre à Gyumri. L'ancienne ville s'appelait Neninagan. Il y a un enfant qui est né, s'appelait Tigrane Hamasyan, donc, qui a connu le tremblement de terre, et qui jouait du piano. Et je ne sais pas quel génie il a, mais on dirait qu'il a pris... Il est retourné à la source de Comitas, c'est-à-dire qu'on a 70-80 ans de tradition classique, on a composé des symphonies, des opéras, des oratorios, des sonates, tout ça, toujours avec la tradition de la musique arménienne. Et lui, il revient aux sources, naturellement. Et il arrive à créer, sur un petit thème de Comitas, même pas de Comitas, un thème de musique Comitas, sur par exemple un petit thème, il va tout d'un coup vous jouer, il va improviser une demi-heure. C'est-à-dire que là, ce que Comitas avait ramassé comme thème, qui était souvent de l'improvisation ou de la transmission, eh bien lui va faire la même chose, mais il va le développer. Ce qui fait que toute sa musique, tous ses disques, tous ses enregistrements témoignent de quelqu'un qui a une espèce d'obsession, une obsession de la musique de Comitas, donc de la musique traditionnelle arménienne. Et ça, c'est presque miraculeux. Moi, je le connais bien. Il est venu à la maison, on a fait de la musique ensemble, on a parlé ensemble. Alors c'est drôle parce qu'au début, il avait l'influence, toujours un arménien, il utilisait aussi des formules de ce qu'on a appelé le style de l'Arménie soviétique, de l'après Khatchaturian. Et là, il s'est débarrassé de toutes les formules qui évoquaient les harmonies de Khatchaturian, et il est revenu à la musique de Comitas, et même... Il improvise avec des thèmes que Comitas n'a pas traités, c'est-à-dire qu'il les a recueillis, mais il n'a pas fait des œuvres avec. Et ça, c'est quand même assez miraculeux. Alors Alexandre Cyranossian, on entend derrière la musique médiévale, oui. Spirituelle, sacrée. C'est un sanctus de Lucene Zakarian. Arrangé. Ouais. Donc, et vous nous avez, en quelques, hélas, trop courtes minutes, montré que cette musique arménienne, elle est née aux alentours de l'an 300 dans le chant sacré, qu'elle s'est transmise par miracle, qu'elle a été extrêmement préservée, qu'elle a été heureusement préservée par ce fameux prêtre Comitas, oui. Que je vous invite à aller regarder. Il y a des sites internet qui en parlent, oui. Très bien. Et il a préservé cette musique arménienne. Et on va se quitter donc avec cette musique, grâce à lui, qui est passée. De Tigrane Hamasyan. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler à ce micro. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site de RCF Nice Côte d'Azur. Bonne semaine sur RCF et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales dans Contrepoint.